potes, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo très spéciale. Comme vous le savez, il y a plein de légendes qui disent ouais, Minecraft collaboration avec Fortnite, Mario, DBZ, One Piece avec Fortnite. Aujourd'hui les amis, il y a un hacker qui a réussi à faire une dinguerie. Vraiment là c'est une grosse dinguerie. On perd pas de temps. C'est parti. Ok les amis, voici du coup la bête. Regardez-moi du coup le skin. On a clairement le skin Minecraft. Pour ceux qui ont joué à Minecraft, c'est le skin Steve. Il est clairement sur Minecraft. Enfin sur Minecraft, sur Fortnite. Et je me suis embrouillé, mais en gros, là actuellement il est qu'un skin. Mais mec, what the fuck. Et son planeur c'est quoi? C'est l'Ender Dragon. Donc en fait, je sais que pour ceux qui n'ont jamais joué à Minecraft, ils vont pas trop capter. Mais là, d'où clairement qu'il vient d'importer, il y a la pioche en diamant. Sa pioche, c'est une pioche en diamant. Du coup, premièrement, il a le skin cubique de Steve, le skin de base de Minecraft. Il a la pioche en diams pour du coup la pioche Fortnite. Et son planeur, c'est l'Ender Dragon. En gros c'est le dragon que tu tues à la fin quand tu finis le jeu, quand tu finis Minecraft. Ce qui veut dire que ce mec c'est le seul gars qui a réussi à mixer Minecraft sur Fortnite. Ce qui veut dire que là il joue avec tous les visuels de Minecraft, mais il est toujours sur Fortnite. Genre le mec il est vraiment très bien. Après encore une fois il faut savoir que c'est un truc qui est vraiment très très dur à faire. Seuls les gros développeurs arrivent à le faire. Et c'est hyper dur aussi hein. Ce qui veut dire que le mec là il a changé chaque texture. C'est que là il a dû prendre un skin, mettre Steve à la place, prendre la pioche et la mettre. Mec c'est un travail monstrueux. Mais ça lui permet de jouer à Minecraft mais sur Fortnite. Mec c'est incroyable, regardez moi ça. Le mec est light à ce petit game, il fait des petits doubles. Mais non vas-y construis. Et qui aurait cru un jour voir le skin Steve de Minecraft construire sur Fortnite? Mais attends mec c'est trop stylé. Après je sais qu'il y en a plein qui vont me dire ouais comment on fait, comment on fait. Les gars, mais moi je sais pas frère, c'est hyper dur encore une fois. C'est vraiment hyper compliqué à faire. Tant que le gars là nous a pas donné, tant que le hacker là il a pas donné le lien pour télécharger le pack, c'est impossible à part si tu le refais toi-même. Si vous êtes aussi fort que lui, vous pouvez le faire. Mec, après pour faire ça gros, c'est quand même un vrai travail hein. Modéliser le... Oh non non mais en fait j'ai trop envie de tester. J'ai trop envie de la paix de dire frérot, écoute-moi bien. Là, je veux jouer à Minecraft, mais sur Fortnite. La petite pioche, tranquillement. En fait, juste hyper bizarre comment il marche, mais ça reste Fortnite. En fait, il veut pas refaire les mouvements non plus à, tu vois, à l'identique. Déjà, le fait d'avoir le skin avec la pioche, l'Ender Dragon, tous les items derrière. Mec, quoi? Attends, je viens clairement de voir un Ender Dragon. Attends, mais c'est quoi? Il y a l'Ender Dragon. Mais mec, comment il a fait? Non, par contre, j'ai envie de savoir. Il y a clairement un Ender Dragon de Minecraft, quoi. Mais... Oh la vie, j'ai trop envie de me flinguer. Je dis Ender Dragon 12 fois alors que c'est un Enderman. Je suis désolé, les gars. C'est Enderman. Je suis trop bête. J'étais trop dans excité. En fait, j'étais tellement excité que j'ai oublié, en fait. Juste moi, c'est sorti tout seul. Mais oui, je sais que c'est un Enderman. Pas la peine de me dire dans les commentaires. C'est un Enderman. Mais c'est juste que moi, je disais Ender Dragon. Je sais pas. Mon cerveau, il avait clamé. Mais c'est Enderman. Mes frères. Non c'est trop, attends mais par contre Steve il tient l'air et la tient... Quoi? Ah oui mais non mais d'accord c'est un autre skin. Mais mec, attends, un Ender Dragon qui boit une mini... Non ça par contre j'applaudis. Ça c'est un vrai bail. Du coup, on a du coup le skin Steve et son pote il est déguisé en Ender Dragon. Et il est en train de boire des mini potes et tout. Oh la vérité j'ai vraiment envie de me flinguer gros. Et je commence à Ender Dragon à chaque fois, y a pas une fois je l'ai bien prononcé. Y a pas une fois que j'ai dit Enderman, ouais je vais péter un câble. Bon, je suis désolé les gars, vraiment, je suis désolé. Mais moi, j'ai le point serein. Désolé les Minecraftiens. Parce que la vidéo a... Honte à moi, honte à moi. Ah oui, c'est vrai qu'on peut voir la deuxième vue. Mais mec, non par contre, eh si... Oh, mais... Attends, il vient de mettre le skin du squelette, encore une fois, c'est tout ça. Tout ce qu'on voit actuellement, il y a des skins, du coup, il y a le skin de base qui est Steve. Et le reste, pour ceux qui jouent pas Minecraft, parce que je sais qu'il y en a dans ma commune qui connaissent Minecraft, d'autres qui connaissent pas. Mais en gros, là, c'est les mobs, c'est un peu les monstres du jeu. Il a mis Ender Dragon, et là, il a mis le squelette, du coup, qui tire des flèches, etc. Il croise un cochon. Il croise un cochon, mais en fait, ça me fait trop bizarre, vraiment. Ça me fait trop bizarre dans ma tête de me dire, là, c'est Fortnite. On voit, en fait, visuellement, c'est du Minecraft, tu vois, à part le monde. Mais tout ce qui est mob et tout, c'est clairement. Mais attends. Il y a clairement un cochon de Minecraft qui est en train de tomber du ciel, là. Attends, son parapluie. Est-ce qu'on va clairement voir un cochon avec un planeur? Attention. Mais en plus, mais mec, un Ender Dragon qui tient un cochon. Vas-y, mais toujours plus, frère. Alors, il revient, il va voir quoi, là? Mec, il y a toujours le squelette. Salut, le squelette! Ça va comment? Mais mec, non, il est trop stylé. En fait, vraiment, tout est bien fait, l'ombre et tout. En fait, c'est vraiment les mobs et les skins de Minecraft, mais sur Fortnite. Et là, on a un cochon avec une pioche en diams, gros. À quel moment ça arrive, ça? Mec, miskin, wesh. Bon, par contre, en vrai, je sais pas si le jeu, le jeu il bug un peu quand même. Après, en même temps, le mec il a dû faire un putain de travail pour faire ça. On s'en rend pas. Quoi? Il y a une vache? Clairement, une vache de Minecraft, ça. C'est clairement, il est en train de la piocher. Et attends, je suis clairement en train d'assister. Attends, on vient clairement d'assister à un cochon avec une pioche en diamant sur Fortnite en train de piocher une autre vache de Minecraft. Mais frère. Et c'est devenu n'importe quoi. Là, faut qu'on se remette l'action. Non, les gars, je suis désolé, mais faut absolument qu'on se remette l'action, mes frères. Allez, pioche-le, vas-y, tac, allez, voilà. Elle en a une vache qui saute Dieu, vas-y, qui saute en planeur, allez. On va voir du coup un Ender Dragon qui tient une vache encore. Mais mec, cette image-là, je pense que je l'oublierai, frère. Ah, salut. Allez, ils vont se faire un envers à la pioche. Mec, on a clairement une vache avec une pioche en diams et un cochon. Donc là, c'est clairement. Se faire un envahisseur ou sinon ils peuvent traîner comme des vrais animaux, mais vous spawnez, vous descendez, vous êtes en train de récupérer du bois, vous vous préparez à fight, tu vois. Là tu te balades et tu vois un cochon
de Minecraft en train de se balader avec une vache, frère. Avec des pioches en diams en plus. Encore pire. Après, je suis un peu déçu. J'aurais voulu voir un petit creeper. Tu vois, les creepers, c'est un peu le mob le plus connu, on va dire, de Minecraft. C'est la référence, il y a trop de mèmes dessus. Steve, creeper. Creeper. Oh merde. Je suis un peu déçu de pas l'avoir vu, tu vois, ça aurait été drôle. Attends, je me pose. Le mec, il a clairement tout refait. Genre, même quand tu vas dans le casier et que tu veux mettre le skin, t'as le logo de Steve de Minecraft du coup à gauche et à mes frères. Non mais vas-y. Bon, et franchement, les gars, si vous saviez le taf, parce que j'ai déjà essayé de faire ça avec un pote à moi à l'époque, vous pouvez pas savoir à quel point c'est hyper dur de faire ça, de changer texture par texture, aller sur Blender. Bah les couilles, j'en bats les couilles. Des fois sur Photoshop, quand t'as pas trop de trucs à modifier, tu grabes. Bah les couilles. En plus, mais Steve, il tient vraiment l'arme avec sa bouche, gros. Bon, la pioche, ça va, tu vois. Attends, mais j'ai envie de le voir danser. Oh, mec, non. Je là, il a stylé. Mais j'ai envie de le voir danser quand même. Genre, un petit Steve qui fait une petite danse Fortnite. Ça peut être pas mal. Allez hop, le retour de l'Under Dragon. Par contre, l'Under Dragon, il est vraiment bien fait. Bien pensé pour l'idée aussi. Hein. Pour penser à mettre l'Under Dragon comme planeur. Mais mec, regarde-moi ça. Ça part. Hop là, ça prend le coffre. Après, cache pas que si le skin sortait, je l'achèterais. Parce que tu vois, c'est Minecraft, c'est ma vie. Tu vois, je suis obligé de l'acheter. Ça a bercé mon enfance. Mais d'un côté, je pense pas que le skin, je le tryharderais trop. Tu vois, au début, je jouerais avec parce que c'est le skin. Ça restait la nouveauté. T'as envie de le tester. C'est drôle. Mais pour tryhard, je pense pas que c'est le meilleur skin, tu vois. Et en même temps, c'est drôle. Mais mec, regarde, il est clairement avec une pioche en diams. Il est en train de farmer du bois sur Fortnite avec une pioche en diamant. Une vraie pioche de Minecraft. Allez, tire, Steve, allez, Steve, je crois en toi, Steve. Allez, musique épique. Steve qui va dans le scope directement, attention. Et c'est le. Pardon, ça s'est coupé. Mais non. Mais non. Et là, on repart avec un squelette qui construit tranquillement avec une petite arme. Il tient toujours là. Les gars, les armes, ils tiennent toujours avec la bouche. Hein. Allez, le squelette, je crois en toi. Fais le kill. En même temps, toutes les fois, tu m'as cassé les couilles dans les caves. Ok, nickel, merci, voilà. Après, lui, c'est plus arc sniper, son le skate, il est pas trop AR, tu vois. Il est plus sniper, arc, surtout arc, hein. Surtout l'arc, hein. Oh, quoi. Attends, ça, c'est vraiment, c'est quand même un peu la honte de se faire piocher dans Fortnite contre VS un squelette avec une pioche en diams. Ah, et voilà, à force de faire des dingueries avec Fortnite, voilà, le jeu, il a crash malheureusement. Franchement, les amis, le fin mot de l'histoire, c'est que vraiment gros respect, les gars. Allez tous vous abonner à la chaîne de Trivix, parce qu'en général, quand je fais des vidéos un peu où je monte des trucs 3D, etc., c'est lui qui les fait, c'est entièrement lui, c'est pas moi, je vous le dis clairement. Tout vient de la chaîne de Trivix, c'est vraiment le boss. Ce gars-là, il a un talent avec Fortnite, tu vois, il a vraiment un vrai talent. Du coup, allez vous abonner à sa chaîne, régalez-le. Et gros, j'ai à lui en tout cas. Ah, voilà, bon, du coup, les amis. C'était une petite vidéo sympa que je voulais faire, voilà, pour ce soir. Petite vidéo de chill, on regarde un petit truc drôle. Et puis, espérons que ça arrive un jour. Je dis quoi à la prochaine. C'est Shadowbass avec un petit prank à la fin. C'était cool. À la prochaine. Allez, ciao, ciao.